Bref, donc voilà, ce qui est important, hein, c'est de voir hein, que le chant et le langage des oiseaux, finalement, est aussi passé dans notre langage courant. Hein, finalement, le cancan, le babil, le gazouillis, cuicui, coin-coin, on a créé beaucoup d'onomatopées. Et en fait, finalement, le chant, le glouglou aussi, le coucou, bref, on a beaucoup de noms, et même les chants des oiseaux hein, s'appellent en fonction de leur chant. Alors, je prends par exemple l'exemple de la grue, du coucou, de la huppe, même des pipites, par exemple, qui sont des noms d'oiseaux, en fait, qui vont avoir, et en anglais, il y en a plein aussi, hein, en anglais, il y a le pouilleux et l'œuf, on l'appelle le chiff-chaff, justement, à cause de son chant. Donc, il y a une grande perméabilité entre les sons des oiseaux, les sons qu'ils produisent, et les chants que l'on connaît, que l'on reconnaît, que l'on s'échange. Donc, il y a cette espèce de perméabilité de langage. On se comprend bien avec les oiseaux parce que finalement, on s'entend d'abord. Ça, c'est un point important. On entend quasiment tous les sons des oiseaux. J'en reparlerai tout à l'heure. Chez les chauves-souris, par exemple, on n'entend pas tous les sons qu'elles produisent. Chez les insectes, on n'entend pas tous les sons qu'ils produisent. Chez les oiseaux, à peu près tous les sons produits par les oiseaux sont audibles avec nos oreilles humaines. Donc, il y a peut-être aussi ce côté, cette perméabilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours intéressé les hommes. Alors, on a une vision très romantique de l'oiseau. Hein. Donc, voici un petit rouge-gorge. Il fait beau, il fait soleil. Vous êtes en train de bêcher le jardin, puis il vient juste derrière vous et il lâche une belle trille. Donc, on s'imagine dans notre petit esprit humain que l'oiseau est fort heureux d'être là et que le soleil brille et que voilà, il est content d'être là. Bon, les oiseaux sont un peu plus prosaïques, en fait. Hein. C'est plus une façon de communiquer. Hein, notamment les chants, on verra tout à l'heure, les cris, etc., qui sont une autre façon de faire. Mais chez les oiseaux, le chant est un outil de communication. Il va permettre de dire deux choses. Alors, la première, c'est ça, hein, c'est le barbelé musical. Le rouge-gorge, il ne peut pas aller chez Casto Merlin, donc il ne va pas pouvoir acheter une clôture. Donc, il va aller chanter aux quatre coins de son territoire pour marquer l'espace et pour dire, voilà, toute personne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des rouges-gorges se battre. C'est pas beau à voir. Hein, ils sont très agressifs entre eux. Ils se volent dans les plumes. Hein, ça casse un peu l'image romantique qu'on se fait du petit oiseau sympathique. Mais c'est ainsi. Et cette façon de marquer le territoire va être très importante. D'ailleurs, certains oiseaux vont chanter aussi. Donc, on dit souvent que qu'il n'y a que les mâles qui chantent. C'est en général le cas, mais c'est pas systématique. Et le chant territorial va être hyper important pour justement dire ici c'est chez moi, c'est là où je vais nicher, mais c'est aussi là où je passe l'hiver pour les oiseaux hivernants, et c'est là où je vais trouver la nourriture qui va me suffire à moi et à ma progéniture si je me reproduis sur le lieu. Donc ça, c'est la première chose. Alors la deuxième chose aussi, hein, le pourquoi du comment, c'est évidemment ben, comme lorsqu'on a 14 ans et qu'on apprend à jouer de la guitare, c'est pas pour c'est pas pour devenir rockstar, bon, enfin, on l'espère quand même secrètement, mais c'est aussi pour séduire les dames ou les messieurs. Hein. Et donc, c'est un outil de séduction très important dans ce qu'on appelle la sélection sexuelle ou la sélection du handicap, c'est-à-dire que plus un oiseau va chanter longtemps fort, plus il va démontrer aux femelles qu'il n'a pas besoin d'autre chose, qu'il sait, qu'il est bien nourri, qu'il est bien vigoureux, qu'il peut donner une belle progéniture. Et que, en fait, le fait de chanter, ça lui fait pas peur, en gros. Et donc, plus un oiseau va se montrer, plus les femelles vont être séduites par cette capacité de l'oiseau à prendre un risque. Et s'il prend ce risque, c'est qu'il est tout à fait apte à échapper au prédateur et à lui donner une belle descendance. Et donc, ça fonctionne hein, pour toutes les bestioles voyantes, les parades nuptiales les plus incroyables, même chez les mammifères, etc. Donc, cette façon de se montrer et de dire, voilà, j'ai pas peur des prédateurs, donc c'est moi qui ai les meilleurs gènes. C'est aussi une façon, et donc chez les oiseaux, le chant va être parfois très riche, très complexe, et va être vraiment une façon de communiquer aux femelles cette qualité de la descendance garantie par le chant. Voilà, c'est un peu des battleurs, hein, c'est le poissonnier du marché qui va avoir un très beau chant pour dire mes poissons sont bons, mes poissons sont frais. Voilà, sauf que là, ce sont les spermatozoïdes et les gènes et la descendance. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est chez les oiseaux, hein, d'avoir cette idée-là. Et à cette saison, donc là actuellement, bon, pendant que j'actualisais un petit peu le diapo cet après-midi, même porte fermée ici à la Maison du Patrimoine, on entend des oiseaux partout. Donc il y a une vraie présence territoriale des oiseaux à la période qui va à peu près de mi-avril jusqu'à mi-juin,
où les oiseaux vont être en pleine période de nidification et donc vont être très actifs sur le front du champ. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'entendra pas des oiseaux plus tard, hein, mais c'est vrai que c'est la période où on va le plus les entendre. Alors, ces chants, en fait, on va appeler ça des vocalisations. Hein, si... Et ces vocalisations, elles vont être plus ou moins complexes. Alors, parce que le chant des oiseaux, c'est vrai que je n'ai pas défini le mot chant. C'est vrai qu'en général, on va plutôt penser au son des oiseaux. Et on va voir qu'en fait, il y a différents types de vocalisations chez les oiseaux. Et elles ont des buts tout à fait différents. Finalement, comme nous, hein, on va avoir des conversations amicales, des conversations un peu plus tendues, voire agressives. Hein, quand on est dans les bouchons de la rocade, on va pas chanter des opéras romantiques, on sera plutôt sur les dents. Ouais, chez les oiseaux, c'est un petit peu la même chose. Ils ont des façons de communiquer. Ils peuvent communiquer leur inquiétude, ils peuvent communiquer leur agressivité. Et donc, voilà, c'est un véritable outil de communication. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Les chants vont être plus saisonniers, comme je le disais, mais les oiseaux vont utiliser leur voix en toute saison. Alors, je vous ai mis trois sons que vous devriez entendre. Bon, alors, en face et... voilà, ça, j'ai l'impression d'être à question pour un champion. Vous, de votre côté de l'écran, lisez l'indice. Alors, ça devrait marcher, normalement. Ah ouais. C'est bon. Voilà, vous entendez une bécasse derrière, mais ce qui m'intéresse, c'est le premier merle. Le chant du merle, enfin le cri du merle. Merle. Un cri très typique, une communication donc du merle. En général, soit un cri d'inquiétude, d'agressivité, un cri de contact pour dire « je suis là, il ne faut pas venir sur mon territoire ». Et donc ça, c'est un premier cri qui est très caractéristique. Alors, je vous ai mis un autre cri. Voilà, vous entendez, les merles. Même conséquence. Là, on est rentré dans un massif forestier et tout le monde se met un peu à passer l'alarme. Donc là, on a vraiment les geais, qu'on les appelle souvent les sentinelles de la forêt, et les merles qui sont en cri d'alarme. Donc là, évidemment, ce ne sont pas leurs chants, ce sont plus des cris de communication. J'ai un dernier cri, c'est... Voilà. Je vais vers vous. Déjà, l'ordi, vous avez peut-être entendu. Voilà. Donc ça, c'est le pouilloveloz. Ça, c'est ce que... c'est le pouilloveloz. Le pouilloveloz. Le pouilloveloz. Alors, le pouilloveloz, c'est un petit oiseau, alors. Normalement, il devrait s'appuyer, mais pour avoir un espèce de mystère, voilà. Non, c'est pas celui-là, mais c'est que les fauchons ne s'en fichaient pas, en fait. Donc, j'arrivais pas à voir sur quoi je cliquais. On va y arriver, hein, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le pouilloveloz, c'est un petit oiseau en fait, qu'on peut observer dans les jardins. C'est lui. Voilà. D'accord. Ouais, tout petit. Voilà, le pouilloveloz, c'est un chant très, très caractéristique que je vous montre aujourd'hui. C'est pour ça que les Anglais l'appellent le chif-chaf. Voilà, et ça, c'est son cri de contact en hiver, quand il est dans les buissons. On entend beaucoup ce... Voilà, donc c'est vrai que... Bon, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux de dehors qui nous répondent, c'est assez étonnant. Hein. De qualité à Vienne, là. C'est vraiment des oiseaux qui sont des marqueurs en fait, de la qualité du contact, etc. Alors, ces oiseaux, hein, l'organe chez les oiseaux qui permet de faire tout ça, en fait, c'est le syrinx. Alors, le syrinx, quand on regarde, c'est donc une... C'est quelque chose qu'on va retrouver au fond donc de la trachée. Ici, là, avec les poumons qui se divisent. Et donc, en fait, il va y avoir une membrane musculaire qui va permettre de créer des vibrations. Nous, c'est plus haut hein, sur la colonne d'air. Eux, ça va être très bas. Et donc, ça va venir, hein, comme quand on fait des cours de chant, on dit « chanter avec le ventre ». Voilà, c'est eux, ils vont vraiment chanter là. Et ils vont créer des vibrations très, très intenses qui leur permettent de faire des sons complexes, voire carrément de jouer plusieurs notes en même temps. Alors, justement, peut-être Olivier, tu nous en parleras la prochaine fois. Il y a, en Himalaya, il y a le chant diphonique, il me semble, non ? Je sais pas si... Oui, il y a plusieurs chants selon les différentes traditions et cultures de l'Himalaya. Les ethnomusicologues qui analysent ça. Il y a le chant de nombreuses populations tribales en Himalaya. Il y a des tribus qui ont des chants
particulier. Les Limbous ont des chants aussi. C'est une population qui rate de l'Est Himalaya entre le Népal et le Sikkim. Voilà, donc c'est en fait, ils vont utiliser finalement un peu le même style de choses, c'est qu'ils vont faire vibrer les sons et donc créer des sons comme ça. Donc chez les oiseaux, il y a pas mal d'espèces qui arrivent à chanter plusieurs notes en même temps, d'où la difficulté. Ah, j'ai oublié de l'inclure. Vous connaissez peut-être alors ça s'appelle Le Réveil des oiseaux d'Olivier Messiaen, qui est une pièce de musique contemporaine qui date des années 30-40. Donc qui était c'est un compositeur français assez connu hein, qui a voulu reproduire le chant des oiseaux, mais de façon très littérale. Et donc, ce n'est pas forcément très musical, c'est assez, même parfois un peu perché, mais par contre, on reconnaît bien les oiseaux. Donc, ce qui montre bien que quand on veut appliquer finalement notre grille musicale sur le chant des oiseaux, ce n'est pas si facile que ça. Voilà, mais sinon, je vous invite à l'écouter, ça s'appelle Le Réveil des oiseaux. Voilà, alors, petite anecdote amusante, la femme d'Olivier Messiaen s'appelait Yvonne Loriot. Voilà, c'est peut-être prédestiné. Voilà, bref, en tout cas, c'est une façon de vocaliser et eux vont donc le faire plus profondément que nous avec un organe différent, mais finalement avec la même capacité à se faire entendre. Et donc, c'est vrai que les oiseaux, alors, ceux qu'on va volontiers assimiler, on va dire, aux oiseaux chanteurs, ce sont plutôt les passerins, donc qu'on appelle les oncines, même si la capacité de vocaliser, de chanter, est assez diverse hein, dans l'ensemble de l'évolution des oiseaux. Il va y avoir chez les colombiformes, il va y avoir chez les psittacidés, les perroquets, il va y avoir aussi cette capacité chez les colibris. Donc voilà, c'est assez varié, mais chez les passereaux, c'est vrai que c'est, on va dire, la partie la plus évoluée. Et alors, tellement évoluée que c'est comme nous, ils vont même arriver à avoir des dialectes régionaux. Alors je vous ai mis 4 fois le chant du pinson. Alors, le premier est un pinson estonien. Oui. Ça a bien marché. Une vingtaine de personnes. Voilà, vous voyez, c'est un chant un peu plus sec, un peu plus court. C'est pas ça. Il fait du froid. Bien. Je vous mets l'autre très bien. En plus. Donc le second, c'est l'allemand. Le suivant, ça va être le français. Alors, vous voyez, il y en a un qui ferme un peu plus, l'autre qui ouvre un peu plus. Et le dernier, c'est l'espagnol. Voilà, il y a même des dialectes régionaux en France. Alors, évidemment, passer comme ça, ce n'est pas forcément quelque chose de très net, mais vous faites écouter à des spécialistes, ils seront capables, et aujourd'hui, en bioacoustique, on commence à étudier justement ces régimes différents. On a commencé à l'étudier aussi aux États-Unis, notamment, pour voir que des populations, alors c'était des bruants, je crois, finalement différaient par leur chant. Et donc, au fur et à mesure, non seulement ils acquièrent des dialectes, mais c'est peut-être aussi un chemin vers la spéciation, vers la formation de deux espèces différentes. Quand on prend côte à côte le pouillot véloce et le pouillot ibérique, ils sont quasi identiques, ils sont quasi impossibles à différencier visuellement. Par contre, leurs chants sont profondément différents et ce sont aujourd'hui deux espèces différentes. Mais peut-être qu'ils avaient un ancêtre commun, qui avait un chant proche et que les deux populations se sont séparées, ont divergé, et leurs chants ont divergé aussi, au point de ne plus se reconnaître entre elles aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant chez les oiseaux, ces dialectes. Et alors, comment est-ce qu'on peut acquérir ce dialecte-là? Eh bien, par le caractère transmis du chant. Et donc ça, c'est lorsqu'on va avoir des oiseaux chanteurs, la plupart, parce que par exemple, un exemple d'oiseau dont tout le monde connaît le chant et qui ne va pas a priori connaître ses parents, le coucou, puisque c'est un parasite, va acquérir son chant qui est très simple. Au final, donc, ça va être une vocalise, plus un cri de contact qu'un véritable chant. Mais chez les passereaux, le chant va connaître plusieurs phases. Alors, quand on a notre oiseau, il peut faire 3 types d'apprentissage. Il peut faire une maturité sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'il va mettre du temps à apprendre à maîtriser le chant. Alors,
Ça va se passer chez les oiseaux qui vont peut-être vivre un petit peu plus longtemps. En général, les petits passereaux vivent 5, 6 ans maxi, donc ils doivent être opérationnels à se reproduire dès l'année suivante. Ouais, juste, tout le monde m'entend bien parce que je suis debout avec mon masque, donc je ne sais pas si de l'autre côté vous m'entendez bien. Voilà, on entend. Ok, parfait. Donc, cette période va en général avoir l'oisillon lorsqu'il est au nid, il va s'imprégner. Donc, il va être plutôt sur. Alors, j'ai traduit de l'anglais, donc parce que ça, c'est une publication anglaise, mais il va être plutôt dans l'aspect sensoriel, il va être dans l'écoute. Puis, il va y avoir une deuxième phase qui va être sensorimotrice, c'est-à-dire qu'il va écouter, mais aussi il va reproduire, il va essayer finalement, comme chez l'enfant, hein, quand au début, il gazouille, et puis il va essayer de reproduire des sons. Et puis, il va y avoir la période cristallisée, où là, le son demeure et finalement ne changera peu ou prou en tout cas. Donc ça peut être sur plusieurs saisons, sur une saison et demie, comme on le voit sur la première ligne. Ça peut être un apprentissage définitif qui se fait en général en quelques mois avec la maturité de l'oiseau. Et puis ça peut être un apprentissage continu. Alors ça va être le cas chez des serins par exemple. Et alors ça va être souvent lié aussi aux hormones et notamment aux hormones sexuelles, les gonades vont gonfler, elles vont envoyer des hormones qui vont faire grossir les parties du cerveau, donc réactiver les neurones sur le champ pour réapprendre un nouveau champ, puis ensuite l'oublier, puis, enfin l'oublier, en tout cas ne plus assigner beaucoup d'énergie à ça. Voilà, il va y avoir des cycles comme ça d'apprentissage continu chez certaines espèces. Donc tout ça, c'est évidemment variable en fonction des espèces. Je vous ai juste mis ce qu'on appelle, alors les Anglais ils appellent ça le subsong, le son, le chant, le chant, tout simplement, et à ne pas confondre avec le souchon, qui est français. Je vous fais écouter, ça c'est la fauvette à tête noire. La fauvette à tête noire, on dit qu'elle a un final flûté fort, qui est assez net, donc un babille. Et puis, une fin flûtée bien nette. Bien, bien chez les fauvettes à tête noire, quand ça va être la période de retour de migration, donc vers le mois de mars, vous allez en entendre dans les fourrés avec un babil assez tenu. Et c'est fini, je crois, c'est pour ça que ça. C'est vraiment un petit babil très léger, c'est vraiment des sons où il faut vraiment tendre l'oreille vers les sons pour l'entendre. Donc, c'est cette espèce. C'est certainement des jeunes. C'est-à-dire qu'il est obligé d'aller chercher les sons. Comment? J'entends. Vous entendez ou pas? Très bien. D'accord. Donc, alors, tous les sons que je vous passe, de toute façon, je vous laisserai un lien pour pouvoir les télécharger après. Librement, et que vous allez rester tranquillement à la maison, parce qu'on a une petite playlist de 2 heures de temps de vidéo. Quand ils sont ensemble comme ça dans le bois, ça peut être agréable. Si on occupe des chambres de jeu pendant les heures, ça peut finir par taper un peu sur les haricots. Hein, mais... Voilà, donc c'est vraiment hein, donc ce babil, ce gazouillis, voilà, finalement, on va retrouver la même chose. Et au final, alors là, sans faire d'anthropomorphisme exacerbé, mais finalement, il y a certainement un peu les mêmes jeux de plastique dans notre cerveau. Quand on a 8 ans et qu'on déménage avec ses parents dans un pays, en 2 ans, on est parfaitement bilingue et c'est comme si l'autre langue n'avait jamais existé. Il faut voir les enfants, par exemple, de Bégonia, notre collègue là, qui parle de toutes les langues du monde, en tout cas le français, l'espagnol et l'allemand sans aucun problème. Voilà. Alors que quand on fait ça, quand on a 30 ans, on peut apprendre très très bien. Mais il nous manquera le petit quelque chose pour être parfaitement bilingue. Parce que justement, il y a la cristallisation qui se fait dans notre cerveau. Les accents seront difficiles à maîtriser. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez, finalement, qu'on peut retrouver. Mais là, je ne suis pas du tout dans les neurosciences, mais je pense que ça pourrait être un très bon sujet de conférence, d'ailleurs. Il me semble qu'il en avait parlé un petit peu quand on était avec l'hippocampe, la conférence de l'hippocampe. Eric, ça me dit quelque chose, cette histoire que je raconte. Bref. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette. Une fauvette à tête noire nous a répondu dehors. Cet aspect d'apprentissage, de cristallisation qui est vraiment très importante chez les oiseaux. Et puis, chez les oiseaux, comme chez nous, voilà, je vous ai mis quelques exemples. Hein,
il va y avoir donc des sons très marqués chez les oiseaux. Alors, je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas entendre le butor, parce que déjà que ça m'a, c'est un son très bas et les haut-parleurs de cet engin-là ne font pas de bruit, mais je vais vous limiter avec talent. Voilà. Donc, il y a des oiseaux qui vont chanter très très bas, des sons très très faibles. Alors, pour vous qui êtes de l'autre côté, je vous le mets, vous allez peut-être l'entendre en fonction de vos haut-parleurs. Voilà. Voilà, donc c'est un son très très grave, et ça c'est le butor étoilé. Le butor, c'est cet oiseau que vous avez là, qui est un échassier qu'on va retrouver dans les roselières. Il faut que la roselière soit assez importante, on va le trouver vers le Médoc, il y en a de temps en temps du côté de Certes, etc. Et puis de l'autre côté du spectre vocal, donc je vous ai mis des équivalents humains, hein, il y avait Barry White d'un côté, Michael Jackson de l'autre. Vous avez le roi teleux à triple bandeau. Alors le roi teleux, il va peut-être même répondre, parce qu'il y en a souvent dans l'arbre juste de là où on se trouve. Et le roi teleux, lui, c'est tout l'inverse. Il est sur des contre-tenues. Quand on parlait. Donc il y en a sur les arbres autour de nous. Donc c'est vraiment les deux côtés du spectre sonore. En général, là, chez le butor, c'est un des plus graves. Chez le roi teleux, c'est un des plus aigus. Et il y a aussi la question de la puissance des décibels qu'ils envoient. Voilà, l'intensité. Alors, je vous ai mis là, c'est pareil. Bon, quand je fais ça, des jeunes, ils ne connaissent aucune des références. Il faudrait que je mette Lady Gaga d'un côté et je ne sais pas quel chanteur chante pas très fort. Ils chantent tous très fort maintenant, les chanteurs. Hein, ah, Christophe, il chante fort aussi. Ouais. Lui, il est plutôt à droite. Voilà, enfin, pas à droite politiquement. Je ne sais pas chez qui vote. Mais il est plutôt du type chanteur à faire du bruit, quoi, à chanter fort, comme le rossignol. Le rossignol, c'est très bruyant. Alors là, ça, évidemment, avec nos petits haut-parleurs, ça ne s'entend pas trop, mais c'est un oiseau qui s'entend très... Quand vous avez un rossignol dans le jardin, on entend quasiment rien en fond de vue, parce qu'il a une intensité très forte. Et puis de l'autre côté, on a le petit bouvreuil, par exemple, qui a un ton de voix très faible, qui fait... Bon, on l'entend un peu mieux ici. Là. Finalement, vous êtes presque privilégié de l'autre côté de l'écran parce que vous entendez certainement bien mieux. C'est un son un peu faible, un peu traînant. Et voilà. Et par contre, il y a vraiment la différence qui ne s'entend pas parce que finalement, on l'a plané à l'enregistrement. Mais la différence de son, hein, en termes de décibels, voilà. Vraiment, l'oiseau et notamment le rossignol, c'est un oiseau qui chante très fort en ville. On l'entend bien quand vous avez... Il y a un rossignol là qui est vers à l'entrée de Bordeaux-Bastide, vers le parc aux Angéliques, là où ils sont en train de faire les travaux. Il y a des travaux partout, mais on n'entend que lui. Alors, parce qu'en plus, il va maintenant mettre un petit coup de boost, il va chanter plus fort avec les travaux de la ville. Mais c'est vraiment des oiseaux qui vont mettre de l'intensité. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, des oiseaux, parce que les oiseaux, en fait, ils vont produire des sons dans les gammes que nous entendons. Alors, pour voir, hein, alors j'ai piqué ça justement à ce monsieur Murray, hein, qui a fait ces documents extraordinaires. Je vous donnerai les liens tout à l'heure. Hein, parce que vraiment, si vous voulez vous plonger dans les chants des oiseaux, ce type a consacré un site. Alors, c'est un site un peu particulier parce qu'il aime aussi la course automobile, les jeux de course automobile. Et donc, son site, il y a de tout dedans. Donc, vous avez trouvé des choses sur la course automobile, mais sur le chant des oiseaux. Voilà, bon, bref. Mais en tout cas, son site est hyper complet. Et donc, voilà, vous avez la puissance en décibels, donc la fréquence en hertz, et vous avez la gamme de piano que l'on entend. Vous voyez qu'en fait, finalement, les oiseaux recouvrent vraiment cette gamme, avec le butor, le plus grave, le plus à gauche, et puis d'autres espèces. Alors, avec les hertz hein, qui correspondent, donc la chouette-ulotte, par exemple, hein, un classique aussi que tout le monde connaît. Le merle, donc avec un chant plus complexe, un petit peu plus haut. Et le troglodyte mignon, par exemple, ou le roi teleux, hein, avec des trilles qui peuvent monter très très haut dans les aigus.
Voilà, on entend toujours la fauvette à tête noire qui nous répond. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est vraiment importante hein, de voir ce spectre finalement du son. Et il y a quelques espèces, donc, dont les locustelles, qui sont des oiseaux qui vont plutôt aller sur les très aigus, et d'où leur nom de locustelle, ça va ressembler à des sons de sauterelles. Mais sinon, si vous avez une audition moyenne et courante, vous allez pouvoir entendre quasiment tous les oiseaux. Bon, il y a la courbe de l'âge hein, qui fait que certaines espèces, vous voyez, on ne va pas forcément les entendre au bout d'un certain temps. Notamment le troglodyte, le roitelet, etc. Voilà, ce sont des oiseaux. Si vous ne les entendez pas, c'est que vous commencez à avoir des défauts d'audition dans les aigus. Voilà, et c'est souvent dû à l'âge, mais ça peut être aussi dû au concert de métal qu'on écoute beaucoup trop fort. Ça peut être beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, même si vous êtes sourd, si vous avez un bon enregistreur, vous pouvez reconnaître les oiseaux grâce au sonogramme. En général, les sonogrammes sont assez marqués. Donc voilà, alors ils peuvent être décrits hein, finalement comme notre langage avec une phrase, avec des notes, avec des syllabes. Et ça permet justement de reconnaître ces chants. Alors par exemple, en dessous, vous avez le pouilleux véloce, le fameux oiseau que les Anglais appellent chiff-chaff. Donc vous avez tip tap 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 tip tap. Et vous voyez hein, cette note qui monte et cette note qui descend, cette note qui monte, cette note qui descend, voilà. Tip tap tip tap. Alors je vais vous faire écouter parce que je le fais brillamment, mais lui le fait mieux. Je me fais de la peine parce qu'en fait je pense que c'est le mur de fond de cet engin qui fait tellement de bruit que j'essaie de me rapprocher. C'est bon, vous entendez? Ouais. Voilà. Tip, tap, tip. C'est vraiment le son très caractéristique de ce pouillot véloce. Je veux mieux déjà. Voilà. Bon. Merci. Bien. Donc, ce que je vous propose. Hein, voilà, c'est de voir un peu les différents chants. Alors, bonjour. Pour finir, hein, c'est sur les chants d'oiseaux. Donc, il va y avoir vraiment une infinité de façons de décrire ces chants, que ce soit dans le rythme, la cadence. Il faut que je reprenne mon souffle, j'aurais pas dû sprinter dans l'escalier. Des chants lents, des chants simples, des chants complexes, des chants bisyllabiques, des chants rapides, des notes aiguës, des notes sèches, etc. Et puis, il y aura les mélodies. Alors, je vais vous faire écouter deux oiseaux. Alors, ça montre aussi que ça dépend énormément de l'oreille. Moi, je trouve, personnellement, que ces deux oiseaux, finalement, ils chantent la même mélodie, ils font une reprise un peu. Vous allez avoir le pinson des arbres et vous allez avoir le pouillofitis. Et les deux vont chanter la même chanson, mais en utilisant finalement une façon de vocaliser assez différente. Alors, le pinson va faire ti 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 ti. Voilà, dit comme ça sonne un peu bizarre. Mais... Donc, avec cette note descendante, là, qui commence un peu sur des tons un peu secs. Au début, avec cette remontée. Donc, je vous le refais, parce que je vous le fais, mais... Et alors, chez le pouillot fitis, il va faire la même chose, mais chez le pinson, ça va être un peu râpeux. Chez le pouillot, ça va être sifflé, ça va être très pur. Ça va être assez cristallin comme note. Et donc, je vous fais écouter, j'arrive pas à avoir mon petit truc. Donc il va finalement avoir un peu la même façon de faire. Donc il va faire une petite reprise, mais là c'est complètement sifflé. Il n'y a pas une note rappeuse, c'est on dit une trille liquide, sifflée, voilà. Donc vous allez vraiment avoir cette... Là ça me dit quelque chose, mais c'est pas pareil. Et quand on va essayer de travailler les chants d'oiseaux, au final, la mémoire va beaucoup jouer sur ces rapprochements qu'on peut faire entre deux sons. J'ai l'impression de connaître ce chant, mais je ne le connais pas. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire, un, qu'on va essayer de le raccrocher au chant qu'on connaît déjà, et deux, de se dire quelle est cette nouvelle espèce que l'on ne connaît pas. Et c'est souvent, alors, évidemment, c'est très personnel. Hein, moi, c'est comme ça que j'ai finalement beaucoup progressé dans les chants des oiseaux. En ayant un oiseau bien dans l'oreille, vous voyez finalement que vous êtes en face d'un nouvel oiseau que vous n'avez jamais entendu.
vous n'êtes pas habitué à entendre parce que vous êtes allé dans une nouvelle région, parce que bon, vous êtes dans un autre pays, évidemment. Et ça va tout de suite vous attirer l'oreille. Et c'est ça qu'il faut garder en tête quand on essaie d'apprendre à reconnaître les oiseaux. Voilà, il y a souvent ce côté un peu, c'est trop difficile, j'y arrive pas, c'est pas possible, j'arrive pas à associer l'oiseau, etc. Alors, je vous rassure, notre cerveau est tout à fait capable d'associer des sons. Voilà, par exemple, si je vous fais écouter ça. Enfin, je suis sûr que vous avez envie d'acheter des saucisses ou du jambon. Voilà, parce que la publicité, ça va faire quelque chose. Et hop, on va l'associer. Ne passons pas à côté des choses simples. Évidemment, là, j'ai... Donc, c'est... Les jingles publicitaires, ça fonctionne comme ça. Hein. Alors, sauf quand on n'a pas les télés, qu'on n'écoute pas la radio, qu'on vit au fond d'une grotte, ou qu'on évite absolument la publicité, parce qu'il y en a qui zappent systématiquement. Mais ces petits jingles, ils sont faits pour ça, pour nous faire associer à notre cerveau un produit. Bon, ben, si on arrive à faire ça avec des saucisses ou des grandes enseignes, on est tout à fait capable de faire ça avec des oiseaux. Alors, il y a quand même un prérequis minimum, c'est de connaître quelques oiseaux. Hein. Ça, c'est... Sur les méthodes qu'on peut se dire et qu'on peut essayer de mettre en place, c'est apprendre à petits pas. Alors, je dis connaître quelques oiseaux parce que ça aide évidemment. S'il faut à la fois mémoriser les chants des oiseaux et les oiseaux qui vont avec, c'est un énorme travail de mémoire et notre cerveau, il va usiner à plein temps sans forcément. Par contre, se dire je connais 10 espèces, parmi ces 10 espèces, je vais essayer de mémoriser le chant d'un certain nombre d'entre elles. Ça va permettre d'avoir une petite base. Et de cette base-là, on va pouvoir construire finalement une connaissance qui va se construire petit à petit. Et là encore, il faut se faire son oreille. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes facultés à reconnaître des sons, à les différencier. Hein. Voilà. Mais il faut toujours garder un petit peu ce côté, cette grammaire avienne, comment un chant d'oiseau est constitué, comment il va chanter, à quel moment aussi, etc. Et malheureusement, on a un langage très riche, heureusement, mais ça va donner aussi des descriptions très subjectives. Chacun va l'interpréter à sa manière. Et si on l'écrit, alors si vous prenez le bon vieux guide ornitho, là, le guide de chez Delachaux, chaque oiseau, vous avez la description du chant de chaque oiseau. Hein. Alors par exemple, je vais prendre un oiseau de chez nous quand même. On va prendre le rouge-gorge, justement, le rouge-gorge familier. Voix, contact, tic, bref et dur, inquiet, surtout le soir au réveil, longue et rapide série de tic, 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 tic. Voilà, c'est décrit comme ça. Hein. Alarme, type, et donc chant, commençant souvent par quelques sons élevés, traînants et fins, puis strophe plus grave, et s'accélérant avec note aiguë, vibrante, nerveuse, grinçante, rythme et intensité variables, aucune strophe ne ressemble à une autre. Voilà pour la description du chant. Donc évidemment, ça reste très subjectif, c'est celui qui l'a écrit qui vous dit ça. Et finalement, le mieux, c'est aussi d'aller sur le terrain. Et quelques exercices très simples, ce qu'on fera tout à l'heure, alors j'essaierai de sortir l'ordinateur avec le Wi-Fi, on se posera sur la table à l'extérieur, et ça sera juste d'écouter autour de nous. Alors, vous qui serez de l'autre côté, vous entendrez juste des sons plats, mais quand on est... vous pouvez d'ailleurs faire ça chez vous, dans votre jardin, c'est essayer d'identifier des sons différents et de se dire, tiens, en face de moi, il y a un son, ça a l'air d'être un oiseau. À gauche ou à droite, il y a un autre oiseau, ça n'a pas l'air de même. Derrière moi, il y a un autre. Essayez donc de spatialiser, de se dire, bah, tiens, autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a 10 oiseaux. Et à ce moment-là, déjà, cette première étape, ça va être, vous aurez dans votre cerveau séparé tous ces sons, tout ce maelstrom, et vous aurez réussi à séparer des choses. Alors, pour prendre une analogie un peu simple, c'est comme vous allez, alors sauf si vous parlez couramment le hongrois, mais si vous allez... Si vous allez en Hongrie prendre une bière en Hongrie, en terrasse, vous ne comprendrez rien autour de vous, ça ne sera qu'un brouhaha. Vous allez en terrasse quelque part en ville à Bordeaux, et si vous tendez l'oreille, vous reconnaissez, puisque c'est votre langue, donc vous allez arriver à comprendre tout ce que vous entendez autour de vous. Si vous allez, par exemple, à Londres, tant soit peu que vous ayez un peu étudié l'anglais, vous allez pouvoir saisir quelques bribes de conversation. Vous allez pouvoir parler avec le serveur. Vous allez peut-être écouter un peu ce que dit votre voisin parce qu'il parle très fort et son accent, vous arriverez à le saisir, etc. Donc, c'est ça, en fait, les nuances. C'est de réussir petit à petit à rentrer finalement dans le langage des oiseaux et à comprendre les mots, les phrases, etc. Et à les avoir un peu dans l'oreille. Et ça, c'est le plus difficile, évidemment.
mais c'est aussi en commençant avec des petits pas. Et puis, je vous disais, bah, dans tout ce qui est, finalement les sons, c'est très subjectif. On va parler des syllabes, on va parler de son sifflet, on va parler de son flûté, on va parler de tri, on va parler de babil, la modulation du son, hein, quand il va y avoir une note qui va varier. Il va y avoir chez les pics, on va parler de tambourinage, ils vont taper sur un tronc. Donc, il va vraiment y avoir des façons de faire. Et puis, il va y avoir aussi le son, on dira qu'il est rock, chez par exemple les fauvettes, c'est plutôt souvent des sons un peu rock. On va avoir des tris liquides, donc c'est des choses très, bah, par exemple, notre petit Puyo Fittis, voilà, ça va être une tri très... très pur, des sons métalliques parfois. Alors on n'a pas par ici, mais le Puyo, c'est lequel ? C'est le siffleur, hein, dont le son, on dit que ça ressemble à une bille dans un seau de zinc qu'on laisse tomber. Des sons cristallins, des sons mélancoliques. Alors là, c'est pareil, pour dire mélancolie, ben, faut savoir, hein, c'est évidemment c'est un son un peu traînant, des notes un peu mineures, mais bon, c'est très subjectif. Alors, le plus simple, c'est de commencer finalement par les tubes. Ces oiseaux-là, en général, tout le monde va les connaître. Hein, j'aurais pu vous le faire à l'aveugle, hein, mais bon, lui, alors, à chaque fois, j'ai essayé de cliquer sur le... Voilà, coucou. Hein, deux notes, hyper facile, mais pas si facile que ça. Quand on le passe à des enfants, ils vont dire « Salut, hibou !» parce qu'ils ont appris dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Coucou hibou, coucou hibou. Voilà, comme quoi, vous voyez, on apprend une chanson qui finalement nous dévie un peu le cerveau. Alors, je leur dis non, c'est tout simplement le coucou. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et puis, la huppe, hein, avec ça, c'est pareil. Oui. Alors, c'est pareil, hein, le nom latin, c'est upupa et pops. En espagnol, on l'appelle la bourriga. Donc, c'est à chaque fois l'onomatopée qui va marquer le nom de l'oiseau. C'est elle qu'on voit en photo, tout à fait. Oui. J'ai quelques... J'ai mon petit... Voilà. Il est là, mon petit carnet des oiseaux. Voilà, donc oui, pour certains, je ne les ai pas en photo là, mais je les ai en photo ici. Donc le coucou, alors le coucou gris, hein, voilà, c'est finalement un oiseau que l'on connaît assez peu. Hein, on l'entend beaucoup, mais on le connaît peu. C'est un grand discret. Voilà, je ne l'ai pas ici sur mes photos. Voilà, la huppe, hein, avec sa huppe très caractéristique en cette saison en entre-deux-mers, on la voit un petit peu partout. Alors, elle a... On en voyait beaucoup. Oh, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps. Après, on en voit pas mal aussi dans le Médoc, etc. Alors, les gens l'appellent la pupu dans le coin. Alors, je ne sais pas si c'est par le son ou parce que les jeunes... Parce que, en fait, les jeunes sont mauvais aussi. Les nids de huppe sont très mauvais. Alors, voilà, c'est pour ça que... Il y a des noms comme ça, des noms vernaculaires, on ne sait pas très bien d'où ça vient. En plus, la huppe, donc elle fait hup-hup-hup, on l'appelle huppe, elle possède une huppe, donc c'est vraiment l'oiseau méta, quoi. Son nom est intimement lié à sa forme, qui est intimement lié à son chant. Alors, je ne saurais pas vous dire, il faudrait que j'aille regarder l'étymologie, il y a un bouquin sur les noms des oiseaux, je l'ai en plus, il faudrait que j'aille lire ça pour la prochaine fois. C'est de savoir qui est le premier de la huppe, ou la huppe, voilà, qui a donné le nom à quoi. Alors, il y a la hulotte, je vous l'ai mis tout à l'heure, hein, c'est le mot classique, hein. Ouh, ouh. Et puis, je vous ai mis aussi la tourterelle turque. Alors, la tourterelle turque, pourquoi ? Parce qu'elle compte jusqu'à 3, voilà, un oiseau au chant hyper caractéristique. Alors, la tourterelle turque, pour la reconnaître, c'est facile. Si c'est le week-end et que vous dormez et qu'à 5h du matin, il y a un oiseau qui vous réveille en chantant sur votre cheminée, sur votre antenne, tout près d'une fenêtre, c'est la tourterelle turque. Ouais. Ouh, ouh, ouh. Elle compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et ça, en général, jusqu'à temps que vous vous réveillez, puis après, elle va partir. Elle va aller réveiller quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment le réveil. Non. Mais en général, c'est un oiseau qui chante toute la journée. Il commence très tôt le matin. Et comme c'est un oiseau très urbain, il va... Voilà. Le merle aussi, il commence très tôt le matin, par exemple. Voilà, ces oiseaux-là, ils vont vraiment commencer tôt, quoi. Comment ?
Alors, parce qu'à l'origine, la tourterelle turque, elle a une petite histoire. Alors, je vais couper le son. Non, je ne sais pas si tout le monde m'entend. La tourterelle turque, à l'origine, c'est un oiseau du sud-est de l'Europe, tout simplement. Turquie, Balkans, etc. Elle a colonisé petit à petit l'Europe dans les années. Le début du XXe siècle et les années 1950. Elle est venue coloniser tout le territoire sans raison particulière. Hein, hormis certainement le fait qu'elle est plutôt amatrice de milieux, on va dire, urbanisés, semi-urbanisés ou ruraux. Voilà. Et donc, elle a colonisé tout le territoire, comme d'autres oiseaux l'ont fait récemment. Hein, le héron garde-bœuf, par exemple, pour prendre cet exemple-là, un petit héron qui était absent de la région il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous allez là, tout à l'heure, vous prenez votre voiture, vous descendez vers la Traîne et vous allez en voir certainement autour des troupeaux. C'est un petit héron blanc avec le bec jaune. Voilà, c'est lui, là. Bon, actuellement, il doit être en période de nidification, donc il est peut-être un peu moins autour des troupeaux, mais c'est une espèce qui est devenue très courante dans la région et qui était complètement absente dans les années 80. Donc voilà, en 40 ans, elle a complètement colonisé une partie, voire toute de la France. Alors, je n'ai pas regardé les atlas récemment, mais elle a déjà passé la Loire, et puis c'est... bon, la France entière arrive. Et en ce moment, il se passe la même chose avec le pic noir. Le pic noir, on commence à le voir beaucoup dans la région, alors que c'était quelque chose de très rare cette année. Moi, j'en ai observé un peu partout, alors que ce n'était pas forcément... Ils sont plusieurs, un truc rouge, mais le pic noir, il est tellement balèze qu'on ne peut pas le confondre. Il est énorme. Il ressemble à une corneille en termes de taille. C'est... Mais il y en a ici, le pic noir, là, j'en ai entendu tout à l'heure, là, c'est pareil, pendant que je préparais, il y a un pic noir, en tout cas, qui traîne dans le coin depuis quelques années, mais là, cette année, on l'a entendu plusieurs fois. Voilà. Il est énorme. Quand on le voit, on a vraiment l'impression qu'il fait la taille d'une corneille. Alors, j'ai trouvé les pics. Oui, c'est très, très gros par rapport à ses copains, il est beaucoup plus gros. Hein. Bon, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon pic noir, mais bon, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis bon, je vous ai mis aussi hein, les cris de la corneille, hein, un classique. Hein. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une espèce hein, qu'on retrouve un petit peu près des villes, mais pas que. En fait, c'est surtout les villes qui sont venues près des corneilles. Hein, c'est souvent beaucoup d'oiseaux. On a l'impression qu'ils sont plus présents près de l'homme, mais c'est surtout que l'homme est plus présent près d'oiseaux. Hein, souvent, les espaces comme ça ruraux ont été beaucoup colonisés par les hommes. Et c'est des oiseaux intelligents et opportunistes. Donc, ils vont, évidemment, quand on laisse des poubelles, quand on... les corneilles, il y a deux corneilles qui passent leur genre journée ici. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu de pique-nique. Et qui dit lieu de pique-nique dit certainement petit truc à grignoter gratos. Donc, oui, mais après, c'est les oiseaux qui sont opportunistes mais qui vont s'approcher de l'homme sans aucun problème. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses... Il y a des bonnes choses à manger, quoi. Voilà. Alors ça, c'est des chants simples, des chants, je pense, maîtrisés par même ceux et celles qui ne connaissent pas les oiseaux. Il y en a quelques-uns. Alors voilà, il y en a un qui chante juste à côté. Hein, c'est le Kouvelos. Ah, alors, ça tombe bien, c'est le premier. On dirait que je l'ai commandé. Hein, c'est le Tchif Tchaf, vraiment le Tchif Tchaf, Tchif Tchaf. Ça, c'est vraiment un chant d'oiseau hein, qui est ultra caractéristique. Alors, certainement excité celui qui est dehors, s'il entend. Alors, en français, on l'appelle le conte-écu. Voilà, on dit que le son ressemblerait aux pièces que l'on fait tomber quand on compte. Bon. Enfin, c'est pareil, ça dépend beaucoup de la façon. Les Anglais sont plus basiques. Hein. Ils disent ça fait tif-taf, donc on l'appelle le tif-taf, tif-taf. Tif-taf, 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 tif-taf. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, ce petit oiseau. Alors, il est assez courant dans les jardins. Hein, voilà, on va le voir picorer entre les feuilles, voleter là. Alors, à l'automne et au printemps, comme ça, on va le voir dans les petits buissons, aller de branche en branche. De temps en temps, on va le voir attraper un moucheron, fouiller, attraper des petits pucerons. Voilà, c'est vraiment un petit oiseau qui fait 8 grammes. Hein, c'est vraiment pas grand. Et c'est un classique de nos jardins. On va vraiment le retrouver assez souvent. Voilà, oui, c'est vraiment petit. Alors, il y a un autre oiseau à la note unique. Je crois que je ne l'ai pas sur mes petites photos. C'est la cisticole des joncs. Et alors, lui, c'est pareil. C'est un tsip par seconde. Il fait tsip, tsip, tsip. Voilà. Et il s'approche, et il s'éloigne, et il s'approche, et il s'éloigne.
Voilà. Alors ça, c'est, par exemple, une petite déformation professionnelle. Ça, je peux vous dire que ce son a été pris quelque part, certainement en Espagne du Sud, ou parce qu'on entend les guépiers aussi. Voilà, je vous montre le plus noir. Voilà, ah oui. Donc, un gros bestiaire. Et donc lui, voilà, cette petite cisticole, hein, c'est vraiment un oiseau qui va faire un type par seconde à peu près. Enfin, ça, on est sur ce rythme-là. Voilà, la cisticole, c'est pas un oiseau pour les champs en termes de couleur. Hein. Par contre, voilà, cette régularité, il fait ça en vol, il s'éloigne, il se rapproche, il s'éloigne. Donc là, si vous avez un champ près de chez vous, mais ça peut être des vignes, ça peut être des zones ouvertes, cisticole, c'est un grand classique. Donc voilà, ça, c'est un champ très simple. Tip, c'est loin, il se rapproche. Tip, ne passe au-dessus. De temps en temps, elle se pose, elle fait bit, comme ça. Voilà, bon, c'est pas très bien fait, mais vous imaginez aisément ce que ça donne. Et puis, alors, on va avoir des cris très caractéristiques. Alors, en cette saison, vous avez le cri du martinet. Donc, le martinet qui est un oiseau. Alors, moi, je l'appelle l'oiseau de l'apéro parce que, voilà, ça, quand vous êtes posé. Alors non, c'est pas le martinet lui. Alors, j'ai dû me tromper dans. Bah, ça c'est le piquet-pêche. Hein. Et c'est un pouillot-vélos. Voilà, mais c'est pas le martinet. Voilà. Alors, il est où mon martinet? J'ai dû me tromper tout à l'heure. Qui c'est qui? Ah c'est là. Je vais piocher un martinet puisque je l'ai pas là. C'est fâcheux parce que, hop, tac, hop, martinet, donc oiseau, champ oiseau, et le martinet noir, j'ai dû me tromper tout à l'heure avec mes gros doigts, champ singulier, martinet noir, le voici, voilà, et là, on est reparti. Alors, si c'est pas le bon, c'est vraiment que. Voilà, c'est lui l'oiseau de l'apéro. Parce que là, quand vous êtes en terrasse, hein, c'est vrai que c'est un souvenir lointain. Bon, on y a pu retourner un peu peut-être, mais voilà, à cette saison, il est 19h, vous entendez les martinets qui passent au ras des toits, dans les villages, dans les villes, etc. Donc, c'est vraiment un son très caractéristique de cette période de la mi-mai. Ils arrivent fin avril, début mai. Et ils repartent en général en août. Donc, c'est vraiment une période estivale très resserrée. Alors, petite anecdote à forte valeur ajoutée, c'est souvent un oiseau qu'on entend beaucoup dans les enregistrements de cinéma. Quand des films sont tournés, ils sont souvent tournés en été, même quand ils veulent faire que c'est l'hiver, souvent c'est l'été. Voilà. Et donc, dernièrement, il y a par exemple un téléfilm là, sur TF1 qui était censé se passer pendant la tempête de 99 au mois de décembre. Voilà, et donc ils avaient mis les filtres un peu bleus et puis ils étaient tous en doudoune, mais dans la bande son, vous entendiez les martinets qui passaient. Donc vous imaginez qu'il devait faire 35 degrés dans les Landes, là, ils avaient des doudounes et qu'ils devaient cuire en dessous. Et après, j'ai eu une interview où c'était effectivement le cas, ils avaient dû décaler à cause de la pandémie. Donc, ils avaient décalé le tournage, ils l'avaient fait en plein été et ils ont cuit sous les doudounes. Voilà, comme quoi, vous avez toujours des petites histoires comme ça. Et ça, c'est un vrai marqueur. C'est un son que vous allez entendre énormément sur ces oiseaux-là. Et puis, je vous le disais, la maison charbonnière, un classique aussi. Donc, des notes tipu, des notes très. Voilà, un peu grinçante, là, ça fait un peu quelque chose qui grince, quoi. Titipu. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît très facilement. Les mésanges, alors, les cris des mésanges ne sont pas très faciles à reconnaître, on peut les confondre, mais les chants, celui de la mésange charbonnière notamment, titipu, c'est un classique qu'on peut assez facilement maîtriser. Et puis je vous disais la tourterelle et le ramier, voilà, la tourterelle c'était 3 fois, le pigeon ramier c'est 5 fois, il faut compter jusqu'à 5 pour le pigeon ramier et vous l'avez. Ouais, évidemment, mais on comprend, voilà. Et 5 fois. Donc ça c'est pour faire la différence entre la tourterelle et le pigeon, si vous avez un autre, vous comptez.
Lui, bon, là, je vous disais, la tourterelle, elle aime bien les antennes, les maisons, etc. Le pigeon, il est plus dans les arbres. Mais c'est deux oiseaux qu'on va retrouver dans les mêmes habitats. Donc, la différence entre les deux, c'est plus simple. Alors, j'ai un doute là. C'est... Non, allez, là, la forêt est peut-être là. Donc voilà, ça c'est des chants simples, relativement aisés. Alors justement, comme je vous disais, je partagerai les fichiers après. J'ai classé justement les fichiers dans différents dossiers. Il y en a des chants, on va dire, caractéristiques, des chants simples, et puis des chants après plus complexes. Donc ça, vous allez avoir, vous pourrez un peu repiocher dedans pour avoir un peu tous ces chants-là. Et puis, on va passer sur des chants un petit peu plus complexes. Alors, des chants complexes, mais avec des mélodies relativement simples. Par exemple, dans l'Entre-deux-Mers, on va retrouver le bruant zizi. Alors, en plus d'avoir un nom qui fait marrer les enfants, il a un son très monotone. Il va faire comme ça. Alors, là encore, c'est mal fait. Voilà, juste une trille qui répète. Voilà. Et comme ça, il va passer du temps sur une branche. Il aime bien se mettre sur une branche morte, comme ça, et puis répéter. Alors évidemment, je ne vous fais pas tous les oiseaux. Hein. Je pense que après, c'est une question aussi d'aller vers les oiseaux que vous avez l'habitude de reconnaître, de connaître, et à ce moment-là, de vous faire la main ou l'oreille. Donc voilà, il y a le verdier qui est un peu le même type de son. Et plus proche du canari, finalement. Voilà, alors lui, il va pratiquer plusieurs notes. Et toujours dans les répétitions. C'est pour ça que ce côté un peu répétitif, finalement, et puis c'est des oiseaux qu'on entend près des maisons, toujours sur les antennes, etc. Donc on peut les entendre assez facilement. Et puis il va y avoir la grive musicienne. Alors là, c'est l'autre oiseau de l'apéro. Hein. Ça dépend de l'heure de votre apéro. Voilà, ça c'est quand l'apéro se prolonge avec les digestifs prêts à pré-repas. Voilà. Quand le soir tombe, là. Alors en plus, elle fait. Elle a fait la maison charbonnière. Je vais la remettre parce que là. C'était un moment extraordinaire. Hein, voilà. Là, elle a fait la mésange. Enfin, mésange bleue. Titi, comme ça. Ah, et ça, c'est... Là encore, hein, comme ça, sur un enregistrement, ça n'a pas l'air facile, mais quand vous êtes dehors, vous l'entendez chanter au sommet des arbres, et ce temps, toujours des temps de répétition. Titi, deux, trois fois, comme ça. Et donc ça, c'est une grille musicienne. En général, les imitations, c'est justement là aussi un caractère, regardez-moi, quoi. C'est moi le plus beau, j'arrive à imiter d'autres oiseaux. Voilà, on enrichit son spectre sonore. Alors, ça peut être aussi qu'en grandissant, elle a entendu d'autres oiseaux qui l'ont imprégné. Mais voilà, il est tout à fait probable, possible même, je veux dire, et ça a été fait dans des expériences un peu barbares avec ces pauvres oiseaux, hein, en les rendant sourds, en les obligeant à écouter d'autres chants d'oiseaux, et ils vont justement chanter d'autres types de chants d'oiseaux. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et les imitations arrivent assez souvent chez les oiseaux. Et puis voilà, je vous ai mis un qui est un petit peu plus difficile, mais dont on le reconnaît en fait avec son introduction bégayante. Alors c'est pareil, ce sont des oiseaux, il y en a ici à 50 mètres d'ici. Ils adorent les endroits où il y a des buissons, donc on peut les retrouver en pleine ville, dans des friches, etc. C'est l'Hippolaïs polyglotte, il fait aussi des imitations. Et alors il va commencer, il est bègue au début, et ça c'est assez marrant. Il fait pi, 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 pi. Voilà. C'est comme quand on a du mal à démarrer une voiture en hiver, quoi. Alors, c'est aussi un petit oiseau, c'est gelé, là, le Hippolaïs. Voilà, il va démarrer doucement, puis après, il va s'exciter. Et dans ce démarrage, en fait, il imite. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Hippolaïs polyglotte. Voilà.
Alors, et celui-ci n'est pas forcément très typique. J'aurais pu en mettre un autre parce que là, en général, il va enchaîner sur des trilles un peu sans queue ni tête, quoi. Ouais. Donc voilà, et ça, ça on retrouve un peu ce côté rappeux chez une autre fauvette de milieux humides. Alors, l'Hippolaïs, on la retrouve en milieu humide, mais on l'a retrouvée aussi en milieu broussailleux. Et elle, on va la retrouver dans les roseaux. Donc, si vous longez les roseaux à cette saison, là, vers la traîne ou autre, vous allez entendre la rousserolle et farvate. Ah, c'est pareil, c'est un son très grinçant, mais qui va vraiment être répétitif. Mais alors, elle peut le faire pendant très très longtemps. Voilà, alors après ma brillante imitation, je vais vous mettre la vraie. Oula. Et donc elle va le faire pendant très très longtemps comme sur les roseaux. Voilà, alors une fois que vous l'aurez dans l'oreille, si vous entendez une rousserolle verderolle, sur un enregistrement vous ne voyez pas la différence, mais dans la réalité, ça vous saute aux yeux, enfin, aux oreilles plutôt. Parce qu'il y a un coffre différent, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une question. Par exemple, ça, vous allez sur les bords de Garonne à cette saison, si vous avez des endroits où il y a pas mal de roseaux, vous allez entendre la rousserolle. Voilà. Elle va nicher dans les roseaux. Voilà. Enfin, c'est un oiseau plutôt discret. Hein. C'est un oiseau qu'on en aperçoit beaucoup moins que l'on entend. Hein, tous ces oiseaux-là, d'ailleurs, ils ont tous une même livrée beige. C'est les couleurs camouflage. Un autre qui est beaucoup plus voyant, c'est le loriot. Le loriot, est-ce que je l'ai par là ? Lui, il est jaune fluo. Il est très, très beau, mais il est discret. Par contre, le chant est assez simple à reconnaître. Il fait... Voilà. Il adore les milieux humides, les grands arbres, comme ça. Voilà. Et il va faire trois petites notes. Ouais. Alors, il y a les tourneaux, il est coquin, il aime bien imiter le loriot. Mais le loriot, voilà, il a toujours le même. Et si vous sifflotez un peu, il va venir, il va un peu s'énerver. Alors, il ne faut pas trop l'embêter, parce que sinon, il pourrait abandonner son territoire. Mais il répond très bien aussi quand on siffle. Même si on l'imite mal, il répondra quand même. Il viendra voir, il grognera un peu. Ah, il jaune fluo. Hein. C'est vraiment l'oiseau. Et c'est en général, si les oiseaux, voilà, la couleur est proportionnelle à leur discrétion. C'est-à-dire qu'il est tellement jaune qu'on se dit comment est-ce qu'on peut ne pas le voir, mais voilà. Et en fait, le matin très tôt, on peut l'apercevoir. L'autre jour, là, je montais la piste à pied, il était 7h30 du matin, et là, il se laisse observer. Voilà, avec le soleil, et en soirée aussi de temps en temps. Donc regardez bien, quand le soir arrive, il aime bien, il peut monter sur les plus hautes branches et se laisser observer. Voilà, si on a un peu de visu. Après, il faut quand même avoir la possibilité de l'observer. Il faut déjà avoir des loriots, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et puis, on va arriver sur les chants, vraiment, là, qui demandent un peu de d'expérience. Hein. Ça va être les chants. Alors, malgré le fait qu'ils soient très communs, le chant du rouge-gorge, le chant du troglodyte sont des chants complexes, très riches. Donc, au début, ça peut paraître un peu... finalement, ça va se bousculer dans vos oreilles. Vous ne saurez pas forcément faire la différence. Et pourtant, c'est des chants que vous entendez partout, dans les bois. Enfin, c'est des chants très, très courants. Ça, c'est le rouge-gorge. Et puis, vous allez avoir également le troglodyte avec des trilles très puissantes. Voilà, donc il est un peu plus lent. Que c'est supposé. Alors, en plus, vous avez une fauvette qui chante un peu. Alors, c'est le tout petit. Alors, pourquoi ? Mais il m'a lancé tous les chants en même temps, là. Voilà, c'est la fête du... Ouais. C'est un tout petit oiseau. Alors, il pèse 6 ou 7 grammes. Hein, quoi. Alors, il y a, en fait, le grimpereau qui monte aux arbres. Voilà, et le troglodyte, lui, il est tout petit, alors on le voit souvent, il est posé sur les branches, il a une posture caractéristique, toujours avec la queue en angle droit, là. Voilà, voilà, mais à ne pas confondre avec le grimpereau, qui lui, vraiment, grimpe, comme ça, il va souvent être sur le tronc, qui ressemble à une petite souris. Voilà, sur les troncs, on dirait une petite souris, finalement. Voilà, le troglodyte, voilà, lui, c'est un tout petit oiseau, mais c'est un chant hyper puissant. Alors, on a posé une caméra...
il répond là. Sur différents endroits autour de la Pampine plutôt pour les mammifères, mais de temps en temps il y a un troglodyte qui vient se poser à côté qui lâche une trille. Là le micro de la caméra il n'en peut plus, hein, on n'entend plus, ça sature de partout, hein. Donc c'est tout petit et c'est très puissant. Vous entendez, il répond là, celui-là, il est là dans le sous-bois là. Alors vous n'entendez pas, je suis désolé, mais il n'y a que ceux qui sont présents qui peuvent entendre. Bon, il répond plus évidemment. Dès qu'on essaie de prêter l'attention, c'est ça l'avantage des enregistrements, c'est qu'on peut vous faire écouter sans prêter attention. Et puis, vous allez avoir le rossignol, par exemple, avec son chant très très puissant, mais quand même assez riche, assez complexe. Mais très puissant, lui vraiment, c'est le ton, c'est les décibels qui vont vraiment vous faire reconnaître l'oiseau. On se dira, c'est pas possible, c'est trop fort. Et puis, je vous ai mis les fauvettes parce que les fauvettes, c'est pas facile. La fauvette à tête noire, la fauvette grisette, etc. Voilà, on a finalement pas énormément de faim, pas énormément, on en a quand même quelques-unes. Mais là, par exemple, la fauvette des jardins et la fauvette à tête noire sont très difficiles à différencier si on n'a pas l'oreille, et même quand on a l'oreille, on peut se faire un peu arnaquer par la fauvette, parce qu'une fauvette à tête noire qui fait un subsong peut être un peu trompeuse. Donc, il faut vraiment se méfier. Mais voilà, les fauvettes, c'est un mélange de son flûté et puis de son un peu plus grinçant. Voilà. Alors, c'est pareil, on en entend dehors, hein, les fauvettes. Voilà, là, les fauvettes, c'est là quand on rentre un peu dans ce domaine-là, il y a un peu de boulot parce que, alors en plus, les cris d'alarme, les cris de contact, etc., évidemment, ça devient plus compliqué. Donc, ça, c'est les oiseaux dont il faudra quand même maîtriser un petit peu pour arriver. Mais si vous arrivez déjà à aller travailler sur les fauvettes, c'est que vous avez déjà bien, bien travaillé. Et ça, c'est vraiment un point important. Alors, j'aurais pu vous mettre un autre. Les chants singuliers, c'est les. C'est les pics, hein, et leur tambourinage. Je vous en ai mis un tout à l'heure, bien malgré moi, celui du pic épêche, hein, qui va tambouriner tourrr, comme ça sur les troncs. On est un peu en fin de saison, c'est plutôt mars, avril, même quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres, parce que ça résonne bien, ils vont se servir justement des troncs comme caisse de résonance. Et ça, c'est vraiment des chants assez particuliers, parce que là, vraiment, c'est un chant, hein, c'est une façon de chanter en tout cas. Voilà, ils ne vont pas chanter avec leur voix, mais ils vont chanter avec. Ils vont chanter avec leur tête un peu. Ah, ouais. Le pivert, oui, il va faire pia 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 pia. Voilà, ça c'est le. Mais pique et pêchette, ils vont vraiment tambouriner. Ils vont utiliser la l'acoustique du bois pour marquer leur territoire. Et le pic noir fait un peu des deux. Ouais. Mais le pic noir est peut-être pas encore assez présent pour quoique on l'a vraiment beaucoup entendu. Mais le pic noir, on a vraiment l'impression c'est une mitraillette. Il fait... Ah, c'est vraiment assez impressionnant le bruit qu'il fait. Et donc voilà, sans compter les farceurs avec les imitations, donc, parce que beaucoup d'espèces vont lors de leur apprentissage, donc je vais écouter la grève musicienne. Voilà, un grand spécialiste, c'est les tourneaux, hein, les tourneaux sans sonner, qui va... alors ça, c'est le chant classique des tourneaux, mais après, il va être capable d'imiter la buse, il va imiter... le loriot, il va voilà, et plus il enrichit son chant en imitation, plus il va être finalement plus ça va être un mâle intéressant, parce que ça montrera à la femelle que il est tout à fait capable de perdre du temps entre guillemets à apprendre des chants d'autres oiseaux. Donc ça veut dire que c'est un excellent géniteur là encore, et qui a tout à fait capacité. Excite les oiseaux dehors. Ah, c'est un petit roule-gorge. Donc ça, c'est un point vraiment très important un petit peu pour tout ça. Alors, je vous disais, hein, si vous voulez en savoir plus, il y a quelques références. Et après, vous avez des sites comme Xenocanto. Là, c'est une véritable bible. Là, c'est tous les gens qui enregistrent des sons d'oiseaux et qui veulent les mettre à disposition de tout le monde pour la recherche, pour le plaisir ou autre. Ils le mettent sur cette base de données. Donc, c'est des sons... open source, c'est en open data, donc
et vous avez des milliers de sons. Et, c'est un site incroyable où il y a une base de données de gens passionnés. Et puis après, voilà, je vous ai mis le site hein, de ce monsieur-là qui s'appelle JP Murray, là, ouais, qui est un site aussi très, très, très complet pour aller encore plus loin, parce que je ne sais pas, ça fait une petite heure qu'on y est ensemble, là. Et voilà, il va vraiment très, très loin sur les descriptions. Vous avez même des quiz, vous pouvez écouter des sons comme ça et vous avez des corrections. Alors, justement, ces quiz-là, alors, on est censé être un petit peu spécialiste, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre les quiz et de faire juste l'exercice, justement, d'essayer de discriminer tous les oiseaux que vous entendez, pas les reconnaître, mais de dire, là, j'ai entendu, il y a au moins cet oiseau. Et vous vérifiez à la fin si, oui ou non, vous avez juste, si votre oreille, finalement, arrive déjà à faire la différence. Si vous avez franchi cette première étape, vous êtes sur la bonne voie pour devenir expert ou experte en chant d'oiseaux. Nous sommes à Sadirac, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la maison du patrimoine naturel du Créonnais, donc un des sites. Donc on est en partenariat. Et donc aujourd'hui, la conférence se fait en partenariat avec donc la communauté de communes du Créonnais. Ça fait depuis 2006 que nous sommes sur la gestion du site, où on fait des conférences régulièrement. Voilà. Et donc là, actuellement, on est plutôt tranquille ce soir. Je pense que c'est l'heure de l'apéro ou du manger, et il n'y a pas de motocyclette, de bruit parasite, on entend bien. Alors, je vais me taire, on va essayer de faire un petit silence. Bon, je ne sais pas si vous allez entendre particulièrement, mais vous allez essayer de tendre l'oreille, de monter le son, et d'écouter, voir ce que captent les micros de mon ordinateur, qui ne sont pas évidemment quelque chose de très important. Bon, on va essayer d'écouter ce qu'on a autour de nous. On entend un merle là-bas. Ouais. Alors le merle, ça chante très très bien. Alors pour ceux qui avaient fait le quiz, hein, je vous le rappelle, le merle est notre oiseau commun qui a vendu le plus de disques dans le monde. Il a vendu 20 millions de disques. Voilà. Bon, il a vendu avec les Beatles, mais voilà, dans l'album blanc des Beatles, il y a une chanson qui s'appelle Blackbird. Et à la fin de l'enregistrement, il y a un son entier de merle. Voilà, donc Paul McCartney finit la chanson en chantant en duo avec un merle. Ouais, et c'est un des albums les plus vendus des Beatles, 20 millions d'exemplaires. Donc, j'en déduis que le merle a vendu 20 millions d'exemplaires d'un disque avec les Beatles. C'est que, bon, alors, il n'y a pas dû beaucoup en profiter. Un merle, ça vit 4-5 ans. Donc, je pense que voilà, c'est celui qui en a le moins profité de toute l'équipe. Alors, on entend, il y a les verdiers qui sont quelque part par là, derrière nous. On les entend un petit peu. Alors. Vous entendez un petit peu problème, c'est moi, j'ai une tourterelle. De quoi ? J'ai une tourterelle. Ah oui, si toi, une tourterelle. Moi, j'ai une tourterelle. Bah, quelque part, c'est bien. Si vous pouvez sortir chez vous aussi et écouter. Bon, là, notre voisin va passer derrière avec sa voiture. Donc, on ne va plus entendre grand-chose. Mais je vous invite à faire déjà ce petit exercice de sortir et d'essayer de discriminer les sons. Voilà, parce que là, évidemment, vous avez entendu. Voilà, là, une grosse voiture qui est passée. Hein. Ouais, et d'essayer justement de travailler, hein, d'ouvrir cette possibilité. Alors évidemment, hein, plus vous allez sur des endroits variés, plus les spectres des champs. Alors, par exemple, dans l'entre-deux-mers, c'est vrai qu'il y a un avantage, c'est que la diversité des paysages fait qu'en un peu d'espace ici, si on faisait la sortie, parce qu'en théorie, donc, cette soirée, si elle avait été 100% normale, on aurait pu après aller faire quelques pas au loin, puis essayer de repérer les différents oiseaux à l'oreille. Mais évidemment, bon, c'est une soirée un peu étonnante. Il faudrait avoir une borne Wi-Fi ultra puissante et que je puisse capter au milieu des bois. Ça sera peut-être pour l'avenir. Voilà. Et là, tout de suite, hein, on remarque aussi que quand on est dehors, il n'y a pas 10 minutes sans son parasite humain, même quand on est à la campagne. Hein, là, on est sorti, on a eu ce moment de calme total pendant 5 minutes. Mais voilà, depuis, bon, notre voisin est passé, un avion est passé, la cloche a sonné, il est 8h, il est 20h. Voilà. Donc tout ça, hein, ça fait aussi, ça rend évidemment l'exercice encore plus difficile parce qu'il faut réussir à entendre au-delà de nos bruits. Et nos bruits sont vraiment très, très présents. On l'a remarqué pendant le confinement où tout le monde finalement s'est dit, qu'est-ce que c'est silencieux ? Voilà. Bon, mais sur ce, je pense que voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez échanger, bien sûr, sur le sujet.
Bon, mais déjà, merci pour cette expérience extraordinaire, cette aventure au final, et en plus avec plein de sons. Moi, il y avait des moments où j'étais perturbé parce que je ne savais pas trop si c'était les sons de mon jardin ou ce que tu mettais. Oui, des fois, j'avais le doute aussi. Hein, parce que... Et je ne sais pas si les sons que tu as mis n'attiraient pas des oiseaux pour venir chanter pas loin de la fenêtre. Alors, c'est le cas, c'est ce qu'on appelle la repasse. Hein. Beaucoup de, il y a certaines espèces qui sont recherchées et qui sont très difficiles à contacter. Et parfois les ornithos, alors sous réserve de ne pas déranger et donc de pas trop le faire, par exemple sur les inventaires de chevêche, la petite chouette qu'on va retrouver un peu partout entre deux mers, à la période quand on fait des sorties, on fait des écoutes, si on n'a pas entendu mais que le milieu est favorable, on fait parfois un peu de repasse, donc on va passer les sons et les oiseaux vont répondre. Donc oui c'est les oiseaux répondent très bien aux enregistrements et même parfois aux mauvaises imitations. Donc moi j'ai une question parce qu'on entend un oiseau. Donc, c'est possible. On entend le clocher, hein, le symbole. Voilà. C'est 20h. 20h à Sadirac. Voilà, il est 20h à Sadirac. Oui, dites-moi la question. Il fait pip, pip, pip. Alors, ça ressemble, comme ça ressemblerait à la cisticole. Tip, 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 tip. Et c'est vachement éloigné l'un de l'autre. Le pip. Ah non, c'est pas un oiseau. Ouais, on dit, voilà, c'est ça. C'est le crapaud accoucheur. C'est la lite. Il fait. D'accord. Alors, ça peut être un oiseau, mais plus en Méditerranée. C'est parce que la lite et le hibou petit duc, enfin le petit duc Scops, ont quasiment le même son. Ah. Mais le petit duc, voilà. Alors, j'ai vu qu'il y en a un qui a été repéré il n'y a pas très longtemps à Carcan, là, il y a quelques semaines. Donc, c'est une espèce méridionale qui va peut-être venir s'installer par chez nous. Et c'est vrai qu'elle sonne un peu pareil, mais c'est très probablement petit duc. Alite. C'est le soir qu'on l'entend. Oui, mais c'est le classique. Hein. On en parlait tout à l'heure, justement, l'alite accoucheur, c'est vraiment un son très, très. Alors, est-ce que je l'ai quelque part ? Très, très, très métallique. Ouais. C'est le crapaud accoucheur. Il est très mignon parce qu'en fait, il va transporter les œufs de la femelle sur son dos. Il va s'emmitoufler dedans, là, puis il va les humidifier. Voilà. Alites obstétricans, le voici. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Il n'a pas qu'un, c'est ça. Donc il y en a plusieurs. Voilà. C'est, alors, par exemple, ici, il y en a vers. J'en ai entendu à Camillac et Saint-Denis, par exemple. Il y a autour des maisons. Et c'est un petit crapaud qui s'approche des maisons, justement, qui aime bien les jardins. Voilà. Comme quoi, les sons sont très variés. Mais le petit duc Scops, il y ressemble. Alors, je vois que j'ai des nouveaux messages. Voilà. C'est un hibou, c'est un petit hibou, oui, qui a un son. Alors, je ne sais pas si j'ai le son du petit duc quelque part, mais on va avoir le même type de son. Hein. Il ressemble beaucoup. Oui, ça, c'est le cheval, notre voisin, le cheval. Hein, ça fait des années qu'on est voisin avec ce cheval. Ah. Hop. Et qui a un son assez semblable. Alors, est-ce que je l'ai ? Je ne crois pas, mais je vais quand même vérifier dans mes oiseaux. Là. Ou. Donc là, on est sur le. Donc c'est le pigeon ramier. C'est le ramier, ouais, tout à fait. Le pigeon ramier. Exactement. Alors est-ce qu'il l'a mis lui? Sa formation, sa méthode. Petit duc Scops, est-ce qu'il y est? PQRS. Il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas. Non, il est, c'est pas dans sa zone non plus. Mais bon, le petit duc, il va faire ce même son. Oui. Voilà. Donc, voilà, c'est la seule confusion. On peut avoir la différence entre petit duc, mais voilà, ici dans notre région, si on était en Dordogne, par exemple, il y a du petit duc. Voilà, Médoc, il semblerait qu'il commence à être présent sur les parties bien, enfin, de forêt petit blandée. Il est proche de la Dordogne, c'est bizarre. Quand... Il n'y a pas de petit duc dans l'Entre-deux-Mers. Il faudrait que je regarde sur les bases de faune Aquitaine, mais il n'y a pas trop de petit duc dans le coin, à moins que quelqu'un ait la réponse et que je l'ai eu sur le chat. Là.
Voilà, non, c'est juste un bonsoir. Est-ce qu'il y a des chouettes chevêches aussi, de nombreuses chouettes chevêches? Oui, mais les chouettes chevêches, elles ont un son, un son un peu plus sec. Alors la chevêche, par contre, je dois l'avoir. Hein, non, mais j'ai encore fermé. Ça, c'est mon classique. La chevêche, elle a un son plus avec un, elle descend puis elle remonte. Voilà, alors je le fais pas très bien la chevêche parce que j'ai la voix un peu grave, mais c'est pas du tout voilà. Ça qu'on entend. Non, c'est à 99,999%. Alors à moins que ça soit un petit duc perdu là et qui commence, mais je ne dis pas que c'est impossible parce que voilà le et on a un ruisseau. Oui, c'est plutôt lui. Mais bon, voilà, je dis, le pic noir était absent de la région il y a 5 ans. Et là, je pense qu'il est nicheur dans le coin parce qu'on l'a entendu en tambourinage, en cri nuptial, etc. Donc, l'expansion de certaines espèces est possible. Donc, je ne dirai jamais non à 100%. Il faut écouter. Et des chouettes arfans, il y en a dans des chouettes. Pas d'arfan, ce qu'on en trouve en France, il n'y en a. Alors, pas du tout. France, c'est arrivé il y a 2 ans, non, il y a 3 ans maintenant, il y a eu une chouette arfan à Oléron, à l'île d'Oléron. Ah. Et tous les ornithos de Gironde, de France, de Navarre, d'Angleterre, enfin, il y a eu des camions d'ornithos qui sont venus passer le week-end à l'île de Ré. Alors déjà que c'est bien encombré habituellement, Oléron, pardon, c'est bien encombré habituellement, mais alors là, c'était la ruée, en fait. Et oui, ça peut arriver, mais c'est accidentel. C'est accidentel, malheureusement, parce que c'est une belle chouette. Mais bon, elle se voit un peu quand même. Comme chouette un peu boréale, il y a la chouette de Tingalm, qui est une espèce qui est plutôt du Grand Nord, et en fait qu'on va retrouver dans nos massifs montagneux. Donc, il y en a une population dans les Alpes. Massif central, il faudrait que je regarde, je ne suis pas sûr. Mais dans les Pyrénées, c'est sûr qu'il y a une petite population aussi. Mmh. Voilà, c'est une petite chouette qui va vivre, d'ailleurs, dans les trous faits par les pics noirs. Donc, comme quoi, c'est recyclage. Exactement, rien ne se perd dans la nature. Alors, la crise du logement chez les oiseaux, elle est très présente. Vous mettez un nichoir, il est occupé dans les 3 semaines. Enfin, il y a vraiment beaucoup de demandes et peu d'offres. Voilà, les oiseaux, ils ont déjà leur petite doudoune à plumes d'agent immobilier, donc ils sont tout le temps. Est-ce que votre logement est libre? Voilà, en train de chercher. Oui. Et est-ce que les changements de climat ou les variations climatiques peuvent influencer le chant des oiseaux? Alors, le chant, je ne sais pas, les comportements, oui, très certainement. Donc, les chants, alors, je ne sais pas s'il y a eu d'études, c'est une bonne question, s'il y a eu une étude là-dessus. A priori, je dirais que oui, probablement, parce qu'il y aura peut-être des mélanges de populations et donc des échanges, entre guillemets, de chants, ou en tout cas des ajouts peut-être de chants, notamment chez les oiseaux imitateurs, qui déjà, puisqu'ils sont pour la plupart aussi migrateurs, vont avoir des sons qui viennent d'Afrique et des choses qu'on ne reconnaît pas parce qu'ils les empruntent à d'autres répertoires. Mais oui, il y aura certainement une influence. Mais bon, j'ai rien lu dessus, mais je garantis pas qu'il n'y ait pas quelque chose. Là, je ne saurais te dire. OK. Voilà. Ah, sur ce, on entend la grille musicienne, donc c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro, là. Ouais. Super décor derrière toi. Ouais, bah oui, et pour une fois, c'est pas un truc rajouté. C'est un vrai décor de verdure. En face de la porte, on capte pas trop mal. Visiblement, on peut faire zoom quand on est à 5 mètres de la porte. Ça va. On te voit très bien, on t'entend très bien. Super. Bon, ben voilà, on pourra faire des zooms extérieurs. Alors, on pourrait faire une conférence, donc assis sur la table, en visio, avec des gens assis dehors. pourquoi pas, il faudrait une conférence sans image, mais voilà. Mais c'est ça s'envisage, voilà, à réfléchir. Le décor est parfait, vraiment, la lumière est très bien, plus, t'es très bien éclairé. Ouais, c'est ce que les Américains appellent la golden hour, là. C'est l'heure où il faut filmer parce que les lumières sont les plus belles. Et par contre, ça, c'est super et dehors, et on t'entend super bien, c'est magnifique. Ouais, on va retenter la prochaine fois qu'on est en confé ici, hein, mettre l'écran là, le vidéo, et puis on fait tout dehors. Hein. Oui. Pourquoi pas. En tout cas, l'image est superbe. On entend les martinets. Les martinets, oui, c'est ça. Mmh. Bon, en tout cas, merci à tous de vous être connectés, d'avoir vécu cette expérience hybride. Voilà, je couperai au montage avant de mettre sur YouTube mes longues absences à la recherche des haut-parleurs. Et on mettra ça rapidement en ligne pour que tout le monde puisse y accéder de nouveau. Voilà. Okay, bonne soirée à tous. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci beaucoup. Ciao. Okay. À la semaine prochaine, Olivier. Ouais, enfin, à la semaine prochaine. À la maison de la citoyenne. Ciao. Oui, merci. Au revoir, Olivier.